de l'humanité, la survie de l'humanité, la survie de l'humanité. La libre circulation des personnes n'est pas une utopie. C'est un droit fondamental nécessaire à la survie de l'humanité, la survie de l'humanité, la survie de l'humanité, la survie de l'humanité. C'est aussi simple que cela. Tout le reste n'est qu'une déclinaison du classique, divisé pour mieux régner. La survie de l'humanité, la survie de l'humanité, la survie de l'humanité. Nous ne sommes pas des arbres. Nous pouvons nous déplacer. Nous n'avons pas des racines, mais des pieds. La survie de l'humanité, la survie de l'humanité, la survie de l'humanité. Ça nous permet de changer, d'échanger, et même nous sauve la vie, individuellement ou collectivement. La survie de l'humanité, la survie de l'humanité, la survie de l'humanité. La libre circulation des personnes n'est pas une utopie. C'est un droit fondamental nécessaire à la survie de l'humanité, la survie de l'humanité.